Oh mon dieu, ça fait trop bizarre, je suis de retour à Siparay. Ah, salut tout le monde, ça fait trop longtemps. On s'est pas très vu. Ouais, ça fait longtemps mais c'est pas grave. Aujourd'hui je suis là. Elle est pas trop nue mon excuse. Ça fait longtemps mais on va recommencer. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire un haul YesStyle que je suis excited de faire, de filmer, parce que ça fait genre 3 mois qu'on m'a envoyé des colis. En soi, je reçois que 2 commandes, donc voilà. Mais depuis le temps je devais faire des vidéos mais j'étais en mental breakdown etc. Le concert de CK m'a détruit. Clairement il y aura pas de vlog, je suis désolée mais voilà. Anyway, moi je suis là pour faire le fucking haul. Donc Korean fashion, you know, Asian style, yes style, vous connaissez, à Tizzle Disc, code moins 10% sur une commande à partir de 40€ d'achat. Donc tout ça c'est en barre d'infos. Tous les articles que je vais mentionner, barre d'infos, code promo, barre d'infos. Mes marques préférées sur YesStyle aussi, je vais les mettre en barre d'infos parce qu'il y a des marques que je préfère à d'autres. Et un conseil, toujours checker la barre d'infos dans mes vidéos parce que je mets beaucoup de choses. Des petites vidéos non répertoriées. Moi, je dis ça, je dis rien. Je dis pas qu'il y en aura une là, hein, mais voilà. En tout cas, anyway, on commence tout de suite avec la première commande que j'avais reçue. Non, en soi, non. Ouais, je vais tout mélanger. Hein. Je vais vous montrer sac, accessoires, top, bottom. Cosmetic. On commence tout de suite avec les accessoires. Moi je perds toujours mes bijoux. Du coup je n'ai rien à vous présenter parce que je les ai perdus, je suis désolée. Mais je vous mets des photos là de ce que j'ai reçu. Et franchement les bijoux en or, my favorite thing ever. Genre surtout les colliers et les bracelets. Du coup j'ai que des bracelets à vous présenter, c'est dommage. Mais c'est la vie. J'ai pris des petits bracelets comme ça. Tout simplement en fait, ils sont super simples. J'ai kiffé parce que ça m'a fait penser au Cartier. Et les Cartier sont à 35 000 balles, écoutez. C'était 1,20€. Rien de trop spécial, c'est juste des bracelets en or comme ça. Ensuite. Pardon. Ouais. J'ai pris des fucking sacs. Quand je les porte, dites-vous, je me sens comme Kylie Jenner. Je présente mon baby. Oh my god, le jour où j'ai reçu ça. Je l'ai vu sur YesStyle. Donc je me suis dit, attends. On va prendre ça. On va prendre la couleur. Donc moi, j'ai pris en vert, tu connais. C'est mon quotidien. Voilà, je porte tout le temps. Du coup, voilà, il est juste comme ça, en sac des plus banals. Il y a 2 petites poches dedans. Il va avec tout, franchement, vous mettez toutes les couleurs du monde, vous mettez ça, c'est bon, ça passe. Ensuite, j'étais dans la folie, tu connais, donc j'ai pris un petit sac Léopore. Voilà, il est super basique. Sur le site, il y a un plus grand format, je pense, ou un plus petit. Non, je pense plus grand. Moi, j'ai pris le petit. Le seul truc qui me dérange un peu sur ce sac, les fils du sac, ils sont super longs, genre. Donc, j'ai dû les attacher, mais même là c'est long, hein. Franchement même là c'est long, donc bon, en soi c'est un détail, donc c'est pas très grave, mais sinon il est bien, bonne qualité, rien à dire. Là ce truc j'ai reçu ce matin, ah, il est trop beau, il est trop mignon, oh mon dieu, regardez, oh. Sur le site il était beau, mais en vrai il est encore plus beau. Genre Watch Me, acheter le marron, vous pouvez le porter en bandoulière ou à la main. Donc moi je pense que je vais le porter beaucoup en bandoulière parce que j'aime trop porter les sacs en bandoulière, genre pas de poche à l'intérieur. Il a l'air super bonne qualité, genre c'est un truc de fou. Je sais pas quoi vous dire là-dessus. Il est juste trop beau, j'aime trop la couleur. J'ai un autre sac aussi que j'ai pas sur moi, mais du coup je vais vous le présenter en parlant et vous allez voir le try-on de toute façon. Donc c'est un petit sac jaune, my favorite ever. Genre ça fait genre 1 an que je le veux, je l'avais trouvé sur YesStyle, mais j'ai jamais commandé. Quoique si, je l'avais commandé, mais il n'était plus en stock. Du coup on m'a remboursé, etc. Je l'ai commandé il y a 2 mois, je l'ai eu. Et j'étais super satisfaite de la qualité, c'est un truc de fou. La qualité de tous les sacs que j'ai reçus, excellent. Je sais pas si, voilà. Non, il n'y a rien à savoir, en fait, c'est juste que la qualité est super bonne. Donc n'hésitez même pas à commander des sacs sur YesStyle, surtout que ils sont vraiment pas chers et ça ressemble vraiment à des sacs de luxe. On s'en fout en soi, tu vois, mais ça fait chic, tu vois, ça n'est pas cheap du tout. Du coup, foncez. J'ai aussi pris cette petite ceinture, elle est basique en soi. J'ai pas trop testé l'intestable, testé le non-confort, donc elle est normale. Voilà, le petit détail, c'est qu'elle bandouille. Elle bandouille. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est une petite ceinture assez stylée que tu peux mettre avec tout parce qu'elle est noire et avec d'autres couleurs comme bleu électrique, violet électrique, super beau bleu électrique. Ensuite, j'ai pris des coques pour mon iPhone que j'ai toujours pas, mais si je l'ai un jour, bah au moins j'aurai des coques. J'ai pris une coque couleur vert. Voilà, je le kiffe. C'est pas comme j'imaginais. En fait, sur le site, c'était un peu plus verni, j'ai l'impression. Mais bon, j'ai pris une deuxième petite coque noire. Un peu carré comme ça, donc on sait pas trop si c'est un iPhone, un Samsung ou quoi. Coque noire, on aime bien. On passe aux cosmetics. J'ai racheté le Keep My Bros de chez Etude House parce qu'il est trop bien. Franchement, il fixe super bien les sourcils.
J'allais dire les cils. Il fixe super bien les sourcils. Il y a rien à dire en fait, c'est juste un fixateur de sourcils qui fait son taf. Je crois qu'il a 5 balles en plus, donc foncez. Franchement, il y a beaucoup de cosmétiques sur YaStyle que vous pouvez pas trouver en France. Dr. George, Tony Moly, Etude House. En fait, il y en a plein, mais je connais pas en vrai. Ouais. Mais il y a vraiment beaucoup de marques coréennes. Soin du corps, soin des pieds, soin des lèvres, soin des. Bref. Donc, je vous présente mes babies qui m'ont un peu déçu. Voilà, je vais dire la vérité. Donc, l'histoire de ces deux petites choses, c'est qu'un jour, moi et Alex, on se promenait dans Saint-Lazare. On est parti à Sephora et ils nous ont donné des petits échantillons de Céramédine de chez Dr. Jart. Donc, c'était une gamme avec du citron à l'intérieur. Donc, ils ont un peu custom à leur sauce, hein. Donc, nous, on avait kiffé, franchement. Ça faisait son taf. Surtout que Alex a la peau grasse, moi j'ai la peau sèche. Ça convenait aux deux peaux. Donc on s'est dit, mais franchement, on n'a qu'à racheter. Hein. J'ai juste cherché sur YaStyle et puis ils étaient là. Donc j'étais hyper contente. Du coup, je les ai pris. Mais c'est juste que c'est la gamme sans citron. Ça me dérange pas. Parce qu'en soi, ils font leur taf. Mais le truc, c'est que c'est pas la même chose. Voilà. Franchement, voilà. T'as capté? Maintenant, on passe enfin aux vêtements. Du coup, j'ai commandé un ensemble marron. De base, il n'était pas pour moi, je vais pas vous mentir, c'était pour ma soeur. Du coup, c'est elle qui l'a commandé en soi. On porte nous deux. Le bail, c'est que sur la modèle que je vous montre juste ici, il était oversize. Très oversize, grand, ample, voilà, ça fait un peu baggy, etc. Mais quand je l'ai reçu, bah, ça me va et c'est tout. En fait, c'est pile poil à ta taille. En fait. Voilà, c'est ça le problème. Bon, c'est pas grave parce qu'en soi, il fait son taf. Super bonne qualité aussi, tiens, super chaud. Je mets ce haut ici en photo qui avait l'air aussi oversize. Je pensais que c'était un sweat. Que un sweat. Voilà, je pensais que c'était juste un sweat. Mais en fait, non, il est arrivé avec un col roulé. Bon, ça me dérange pas. Mais je pensais que c'était un sweat. Et il est pas si oversize que ça. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur ma qualité. Et bien, en mars, j'avais commandé un pantalon. Un pantalon bleu qui semblait aussi. Assez grand. Bon, du coup, j'ai reçu. Il est bien, mais c'est pas à quoi je m'attendais. Cependant, j'ai reçu le même en blanc. Et celui-là, tellement beau, Alex. Non, franchement, non. Les gars, j'ai rêvé d'un jean blanc toute ma vie. J'ai trouvé l'enfant. Je vais pas les lâcher. Il y a des petits boutons pour vous resserrer, car vous avez pas besoin de mettre de ceinture, parce qu'en soi, en pantalon blanc, t'as pas trop envie de mettre une ceinture. Tu mets ça. Top, l'été c'est bon, tu es belle. Pareil pour le bleu d'ailleurs. Resserre, resserre, resserre. Et by the way, YaStyle, j'ai remarqué. Enfin, YaStyle. Il y a là les chinois d'ailleurs qui envoient leur jean sans couper. Donc du coup, faut couper. Des ciseaux, une lame, un cutter. Et c'est bon. Du coup, j'ai pris des petits tops parce que l'été approche et qu'elle était dans quelques jours. Bah, il y a ce haut. Voilà, c'est un petit haut tube, comme dirait YaStyle. Et je l'ai pris en bleu aussi. Le problème, c'est que je suis allée au concert de CK, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai cru que ça allait faire l'affaire. Et du coup, j'ai sauté. J'ai fait... Du coup, la qualité, je vous le cache pas, je suis un peu déçue. Parce que sur le site, ça avait l'air de tenir et tout. Mais là, en vrai de vrai, si je monte pas ça comme ça, enfin, jusqu'à là, ça tombe. Franchement, ça tombe. Même je le mets avec un soutif et tout, ça tombe. Voilà, c'est un peu relou. Donc... Écoute, on peut pas avoir le beurre et l'argent du coréen. L'argent du Gangnam Boy. Ah ouais, ça c'était une déception. Je vous mets la photo qui était encore oversize. Et j'ai reçu le t-shirt comme ça. Regarde Alex. Il était censé être over de ouf sizer. Un peu déçu, franchement, je voulais tellement qu'il fasse un peu robe limite. C'est sûr que la modèle elle était petite. Mais quand même, là ça fait. Voilà, je vais pas trop parler. Ensuite, un autre top blanc. Celui-là, il est exactement pareil que sur le site. Juste que moi, j'ai des seins, du coup. Voilà, pas comme sur la modèle, tout droit, etc. Mais sinon, il est super bien. Petit col ici, on adore. Manche longue, croc top. Rien à dire, ça va avec tout. Tu portes ça, Converse, petit jean, c'est bon. Outfit d'été. Alors ça, c'est un haut que j'aime particulièrement. Pourquoi? J'en sais rien. J'aime bien la couleur rouge. Du coup, voilà. C'est un haut qui s'attache. Vous portez pas ça avec des soutifs. Je vous oublie pas du tout. Mais voilà, c'est un petit haut comme ça, un petit top, manche longue, il s'attache, super léger. C'est encore un bail pour l'été, comme je dis. Voilà, bonne qualité, y a rien à dire là-dessus. Là, je sais pas si je suis déçue, si j'aime ou si je m'attendais à mieux. Voilà, j'en sais rien. Clairement, il est bien, mais je ne sais même pas comment le mettre, Alex. Quand je te dis, je l'ai essayé. Voilà, pas de soucis. Franchement, je l'ai essayé. Il est cool.
La couleur est bien, la matière est super bien, ça a l'air. En gros les gars, je dis n'importe quoi, m'écoutez pas, mais le haut il est trop beau, genre comme je l'ai reçu ce matin, je savais pas comment le mettre en fait. Mais là ça fait quelques jours que je l'ai essayé, etc. Donc je sais comment le mettre, bonne qualité. Ouais, bonne qualité en vrai, voilà, il est beau pour l'été comme d'habitude. Ah ouais, et les manches? Oh là là là, on parle des manches? Ensuite, alors on a deux hauts manches longues, c'est pas trop pour l'été en vrai. En gros, ça c'est un petit haut pour le printemps et je me suis aussi dit que je vais reprendre les cours, donc j'ai besoin de basique. Je mets un pantalon, je vais en cours, voilà, je me casse pas la tête, je vais pas faire des outfits de fou, je suis là pour taffer, t'as capté. J'ai pris un haut comme ça, mais ma vie. Genre, j'en voyais beaucoup sur Instagram, sur YesStyle aussi. Why not tester? Du coup, j'ai testé, j'ai acheté bleu comme ça. J'aime trop la couleur. Ça fait couleur... c'est un bleu bébé quoi. Baby blue. Et j'avais fait une petite photo Instagram avec. Il est trop beau. En plus, il tient un peu chaud. By the way, j'ai oublié de dire. J'avais fait un petit look sur Instagram avec les deux et ce petit haut. Du coup, n'hésitez pas à aller voir. J'ai été repassée par YesStyle. Ensuite, j'ai pris une petite chemise que je voulais depuis super longtemps, une chemise blanche parce que j'en ai pas. Et c'est quand même un basique, c'est un basique genre d'été. Tu mets un petit top, tu mets une petite chemise, t'es bien. Bref, donc petite chemise d'été, tranquille, elle est ample. Et ça c'est vraiment oversize, je suis gentille hein, mais c'est quand même ample. La qualité comme d'hab, pas mal, bref j'aime bien. Alors, j'ai commandé ce jogging qui est ma foi une déception parce qu'en gros il n'est pas du tout aussi large qu'il le paraît sur la photo avec les modèles. Mais c'est pas grave, en soi il est bien, je pourrais le porter pour dehors ou pour la maison. Parce que là je suis dehors, je porte. Ça va, mais juste qu'il fait un peu sauter, c'est un peu adapté. Du coup je vais m'en commander un autre. Un peu chiant quand on s'attend à du oversize donc... Oui, dernier article, important. Non, l'article est trop important, je l'aimais trop. Ça fait deux mois, ça me tâte. Donc je l'ai enfin pris, c'était un pull qui est dans mes habits sales. Et c'est un des seuls trucs oversize qui est arrivé oversize. Je fais ça parce que vous-même vous savez c'est pas très très oversize. Mais il est quand même assez grand. Et la couleur verte, magnifique, vous pouvez voir dans le try on. J'ai trop kiffé, franchement il est trop beau. Le petit soleil et tout, et il est plus valable. Je suis désolée. Tout ça pour ça. Dernier article que je vais vous présenter, c'est un maillot de bain parce que on va faire des pool parties. L'été approche, il faut. Du coup, le maillot de bain, il est super beau, mais je ne fais pas de try on parce qu'il y a une petite photo sur Instagram qui va sortir au courant d'août. Je parle pas trop avec vous. Donc, il est exactement comme sur la modèle. Rien à dire. J'aime trop la couleur. La coupe aussi. Donc, stay tuned pour la photo Instagram. Merci, YesStyle. Franchement, merci. Du coup, c'est tout pour mon haul. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé filmer ça, surtout que YesStyle. J'aime trop le site. Franchement, il y a des bons trucs. Cherchez bien. Parce que moi, quand je fouille, aïe. Je dirais le bac de 2€ de free spa. Moi je fous. Regarde, même les youtubeuses qui font des hauls pour m'inspirer un peu des looks, etc. Donc vraiment un site vraiment que j'aime quoi. Dites-moi l'article que vous avez préféré. Si vous avez utilisé mon code, si vous allez utiliser mon code, sur Instagram. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle. Yeah, salut.